Alors j'ai appris qu'il s'appelait Ball le gars. Cacher des trucs. LD, c'est le dieu de la mort. Du meurtre plutôt. Donc voilà, on le voit meurtrir. Ok. Toum, toum, toum. C'est ça la musique normalement, non? J'ai cliqué au mauvais endroit? Ah non? Pourquoi il n'y a pas la musique? Ah oui, c'est vrai qu'on a enlevé la musique la dernière fois. Donc on va remettre. J'ai pas validé ça. Où je l'avais mis, je crois que c'était là. Voilà. Poum 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 poum. Alors attendez, faut que j'essaie de calculer où je vais être positionné dans l'espace. Je dois aller acheter de la bâche pour protéger mes murs, ou ce qu'il en reste, à cause de la pluie, ouais, j'imagine. Ouais. Déjà, t'as des murs, ce qui est bien. C'est ça qu'il faut fêter. Ils tiennent après sur la longueur, ça c'est une autre question. Bon, et on a besoin de casque, on a toujours pas de chaussures. On a réussi à battre ce truc grâce à Clem Lelu. Voilà, Razad, tu peux pas prendre ça? Non, Razad. Oh, c'est pas sa taille. Il a une grosse tête. Une grosse tête, il a dit. Deux fois le même casque, est-ce nécessaire? Bon. Ok, Imoen, tu prends ça. Ça. Ça, on s'en fiche. Y a pas des trucs particuliers. Peut-être cet écu là. Mais bon, c'est un écu. Oui. Voilà, donc du coup, comme j'ai dit dans l'histoire du moment de jouer, c'est-à-dire, on va, je crois que dans le titre que j'ai posté, c'est la fin de la tour, mais pas de la tour Brosson. C'est pas une histoire de taille, mais de classe de perso. Ah. Oui, bien sûr. De toute façon, on se barre. Hein. On a dit que c'était la fin. Oh non, c'est pas fini. Ah bah si, il y a du rag. Vous avez réussi à venir jusqu'ici. Peu nombreux sont ceux qui sont encore vivants pour en parler. Bien peu peuvent quitter cet endroit vivant. Vous êtes loin d'en avoir fini. J'ai encore des surprises. Non, s'il te plaît. Essayez de vous répéter, de repérer plutôt, lorsque vous comprendrez le chemin. Lorsque vous comprendrez la route, vous pourrez continuer. Vous devez être très brave pour faire face à ce qui vous attend. Le diable sera bientôt là. Vous devez expulser les nouveaux envahisseurs. Qui êtes-vous? Suis-je Durlag? Vous avez de bonnes raisons de vous poser la question. Vous avez vu des pièges, des illusions, des fantômes, mais l'âme de Durlag a disparu depuis longtemps. Vers le destin que réserve le voile noir, cet endroit, c'est sa peur, sa colère, son tourment. Vous souhaitez conquérir cet endroit? Vous devrez comprendre ce qui en est l'origine. Souvenez-vous bien de ce que vous avez déjà vu. Vous partez maintenant retrouver une vie longue et normale. Trois chemins partent d'ici, vous devez les prendre tous les trois. Ouais, donc ça fait 1, 2, le troisième c'est celui-là, hein. C'est censé être celui-là. Il y a des bestioles, on va aller par là. Hein. C'est fermé. Allez, on va de l'autre côté. I don't have the time to learn what it needs to do. Ah.
Bon, faut qu'on joue, hein, parce que je suis fatigué, mais... Ah, bonjour, Islan. Vous venez de loin et vous avez vu beaucoup de choses, mais peu resterait. Je propose de partir, de ne pas agacer les esprits plus longtemps, de quitter cet endroit et la folie qui l'enferme. Le monde extérieur est à vous, les profondeurs appartiennent aux morts qui ne veulent pas partir. Si je dis merci bien, je vais rester, c'est fini. La lumière vous appelle, vous ne partez pas, vous êtes aussi opiniâtre que mon dur lac. Je vous enverrai quand vous le souhaiterez, si jamais, si seulement, je pouvais alléger son fardeau aussi. Ah bah ouais. 360p, du coup tu me dis ça marche mieux, c'est ça? Ok, je note. Je vais diviser par deux, quoi. On va les laisser venir. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Il a tapé le premier. C'est une horreur. Ah non, j'aime pas, c'est Roland de la Tourbeau-Son, c'est le pire ennemi. On va faire le tour. Hein. Une autre horreur. S'il n'y a pas le choix. C'est fait. On fait dodo. Non, mais t'as compris. J'ai pas calculé bien, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je dois être plus touché que je ne le pensais. Bon, on a ouvert des trucs. C'est ça qu'il faut se dire. On va refaire dodo et on va retoucher ce truc-là pour récupérer la pierre qui est dedans. Je suppose qu'il y a une leçon à comprendre de cette tour, mais là, mon cerveau, il n'est pas du tout en état, vu qu'il est en hard reboot, de pouvoir faire quelque chose. Faire un truc, là? Ah ouais, je peux donner quelque chose. Alors... On peut pas augmenter arc court, c'est vraiment nul. Hein. Deux armes, c'est vraiment nul aussi. Et long, ça sert vraiment à rien. Dague. Voilà. Vol à la tire, détection des pièges, crochetage des serrures. Non, on n'a pas besoin. Crochetage des serrures, c'était nécessaire, hein, par contre. Voilà. On sauvegarde. Vous pouvez sortir si vous voulez, ne pas prendre de coups. C'est fait. Besoin de quelqu'un qui a une poche vide. Toi, t'en as pas. Moi, ah. Je m'en vais. Le serviteur de Dame Nature, oh, c'est comme si c'était fait. Je peux toujours essayer. Divise, le pactole. I understand. En fait, le truc, c'est ça, c'est comment faire, quoi. Le truc des 720p, en fait, c'est intéressant dans le sens où il se sauvegarde une bande passante pour Twitch, dans le sens où il y a que les gens qui leur ramènent de la thune qui ont le droit à voir en switch entre différentes résolutions. Par contre, en fait, ça pourrait être de base d'avoir une limitation hors de calcul commun. Personne qui passe, en fait. Toi, tu déclares, entre guillemets, la résolution que t'as besoin, et au final, les gens, ils ont pas besoin de... La statue psalmodie. Tous ceux qui traverseront le tapis runique seront terrassés.
Après, ça, le problème, c'est que ça empêcherait beaucoup de choses, genre les créations de contenu, j'imagine, qui peuvent être envoyées direct sur YouTube, par exemple. Tous ceux qui traverseront le tapis runique seront terrassés. Ben, on passe derrière toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et maintenant, où? On va envoyer Roland la terrasse. Bien sûr, nous on joue dangereusement. Terrassé dans quel sens? Que je vais être englouti par de la terre par exemple. Mais attends, mais on est juste dans la non mais... On est juste chez quelqu'un? Sérieux cette histoire? Ces pierres là, elles deviennent de plus en plus lourdes, hein, j'ai l'impression. Ah. Une tâche facile. Nous étions là, peur faite chère. Nous sommes venus dans la demeure de Durlag, que Durlag avait bâti, et nous nous sommes cachés dans les gens qu'il avait formés. En nous servant des tentacules, nous avons empoisonné le clan. Ah, ça, c'est la référence à Baldur's Gate 3, non? Et les cauchemars de Durlag sont devenus réalité. Nos maîtres disaient que s'ils pouvaient sentir sa rage dans l'air, mais la peur était toujours là. Nous étions là pour leur faire... nous étions la peur faite chair, et la peur était bien là. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel, et je ne veux pas y prendre part. Mon père a bourlingué comme moi et a parcouru le monde en son temps. Il était respecté, mais il n'avait pas de demeure. Il est mort en quelques contrées lointaines, seul, sans aucun nain à ses côtés. Je ne laisserai pas cela m'arriver. Je ne marcherai pas aussi loin dans cette race. Je ne serai pas Durlag le sans-clan. C'était ma hantise. Retrouvez l'origine de cette hantise et montrez-moi que vous avez appris. Waouh. Ouais, c'est une ref à Baldur 3 qui n'existait pas, bien sûr. Cela a commencé avec vous et votre besoin d'avoir un toit. Mais ça, je m'en rappelle plus, moi. Cela a grandi avec... On n'a pas lu les livres, hein. Votre clan, vous aviez peur de les perdre. Cela s'est manifesté dans les envahisseurs qui sont venus, mais vous... Vous avez déjà peur. Vous aviez déjà peur qu'ils viennent. C'est devenu votre demeure et vous y êtes en sécurité. Cela a commencé avec votre clan et votre peur de les perdre. Puis cela s'est manifesté dans les envahisseurs. Maintenant, cela vous hante à jamais. Cela a commencé avec les envahisseurs et leurs menaces contre vous. Cela s'est développé dans votre peuple avec la pensée que d'autres pourraient périr. Cela a couvé en vous pendant un moment, alors que les artisans ne retranchent cet endroit pour vous en protéger. C'était dans les artisans et leur souci de vous protéger, cela était dans votre peuple, puis en vous, car vous aviez peur de ne pouvoir les protéger. Ce fut ensuite dans les envahisseurs qui craignaient votre châtiment. Cela a commencé avec votre peuple et leur peur de perdre leur demeure. Les artisans construisirent du mieux qu'ils purent, mais ils doutaient de la qualité de leur travail. Vous aviez peur des envahisseurs, mais finalement, ce sont eux qui vous craignaient. Je dirais la première, mais je pense que c'est pas la bonne réponse. Heureusement qu'on a sauvegardé avant. Vous en savez un petit peu plus grâce à moi. Vous pouvez encore vivre. C'était ça? Ok. Peut-être. Pourquoi on est sorti de ce truc? Chargé. Une tâche facile. Du coup, il nous faut quelqu'un avec une poche large. Une poche ouverte. Qui peut ouvrir d'autres poches. Et là, on n'a plus rien. On n'a plus de place là, au niveau des poches. C'est compliqué, hein. Toujours vouloir gratter de la thune. Donnons ça à quelqu'un. Ça. Non. C'est bon, on a fini. On a fini les gens des échecs. On a fini.
Ah ah, on l'a ouvert. J'ai si froid. Je crois que le but c'est qu'elle meurt, non? Il y avait que cette couchette qui était magique. On va aller se faire soigner. Oui? On marche tous au ralenti parce que on a claqué rien du tout pour bien sûr avoir les poches pleines. Dire que ça devrait aller. Il y a un petit peu de soin pour Imoen pour ouvrir la deuxième coffre. Il y a quand même la masse d'armes qui pourrait être intéressante à récupérer, mais oui, à tous les coups normalement c'est la fin. Mais par contre faut bien comprendre le truc, parce que nous on s'est fait démonter sur tout le chemin, mais ce serait dommage de ne pas avoir noté les leçons que nous apprenait cette tour. Lol. Regardez. Ça, il faut prendre. Ça aussi. Ça aussi, il faudrait prendre, mais on n'a pas la place. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Ah, attends, on va parler aux autres. Logiquement, normalement, on devrait voir le soleil maintenant. Nous avons suivi Durlag, nous étions son peuple, sa famille. Durlag, le tueur de trolls, fils de Beaur. Son clan a fondé dans cet endroit avec les butins de toute une vie d'aventure. Le lieu était majestueux à l'époque et nous prenions ce dont nous avions besoin dans les bienfaits autour de nous. Nous sommes devenus fiers et Durlag avait enfin une demeure. Nous étions l'avenir de sa famille et si nous perdions, il se perdrait aussi. C'était la peur qui s'était tapie silencieuse. Nous suivons Durlag, nous étions son peuple. Oui, d'accord, ok, c'est des représentations de des gens qui étaient là. Nous avons protégé cet endroit contre tout ce qui pourrait venir. Nous avons posé de pièges lourds, de bâtiments et de châtiments. Nous avons mis de la haine dans tous les coins et recoins comme ils le souhaitaient, mais nos actions étaient guidées par autre chose. Nous avions peur que cela puisse se produire de nouveau. Et nous devions l'éviter à tout prix. C'était cela notre ciment. Nous avons protégé cet endroit contre tout ce qui pourrait venir, amis ou ennemis. Bien, nous avons compris avant de lire ses potes. Cela commence avec vous et votre besoin d'avoir un toit. Cela grandit avec votre clan car vous avez peur de les perdre. C'était ça. Apparemment, c'était la bonne réponse. Ouais, il y avait une quête à la base. Maintenant, c'est plus. Faut sortir vivant de ce truc. Oui, bien sûr. Du coup, là, il y avait un truc à ouvrir. Là, on a fait cette page-là. On a fait ici. Et là, il y avait un truc aussi. On va aller là. Roland de la Tour Brosson, vous êtes encombré. Pas donner ça à Imoen. Elle n'a pas de place pour les flèches. Qu'est-ce que si, vous t'as de la place pour les flèches. Vous ne mourrez pas. Oh, mets ça ici. Prends les flèches. Faut éloigner. Bon, faut attendre un peu. Moi, je m'en vais. Ah, donc du coup, il nous faut une pierre. On n'a pas la pierre. Oui, bien sûr. Ok, donc. Et maintenant, transmutation. Des flèches, déjà. Il y a d'autres personnes qui ont des flèches. Voilà, de naïve. D'ailleurs, on peut pas stack ça. Si.
Regardez, il a rien dans les poches en plus, c'est ça qui est dramatique. Hein. C'est de la place. Porte les bijoux. Porte les bijoux, Dorm. T'as besoin de porter des bijoux. Voilà. Et tu vas devoir porter ça par contre, si ça te dérange pas. Non, ça le dérange pas. Par contre, là, moi je suis désolé, comment je fais pour pouvoir me porter moi? Tiens, prends un collier, non? Porte le collier, Razad. Non? Non plus? Tu peux porter ça? Non. On a un problème de gestion de stock là. Pourquoi on a ça? Ça sert à rien ça. La nerfluité là. C'est quoi qui nous alourdit le plus là dans cette... Pas grand chose hein. Je trouve qu'on a pas grand chose pourtant. Est-ce qu'on va chercher la masse d'armes ou pas? Ce serait logique d'aller chercher un moteur. On va envoyer quelqu'un qui court. S'il n'y a pas le choix. Non mais t'as pas la place peut-être dans les poches. Oui, t'as pas la place. Le casque, on s'en fiche en vrai. La dague. Porte ça. Va chercher la masse. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel et je ne veux pas y prendre part. On a pris le gros bijou, on s'est dit que ça pouvait être le plus important. Elle fait quoi la masse d'armes? Je ne sais pas. Ah, fallait pas repasser dans l'autre sens. Ouh là là. On a survécu. Bravo, bravo. C'est la masse d'armes qu'il fallait pas sortir, c'est ça? Pourquoi je peux pas sauvegarder là? C'est une histoire d'objets, faut pas les prendre. On peut plus sauvegarder. Incroyable. Si je pose ça au sol, sauvegarder? Non. Incredible. Je peux toujours essayer. Bah où? Ah oui, c'est moi qui ai cliqué là. Je ferai de mon mieux. On va charger la partie d'avant parce qu'on peut sauvegarder. C'est là où je lui ai dit va chercher la je masse d'armes. Je pense essayer. Que on va peut-être pas prendre la masse d'armes. Je pense qu'on va pas la prendre. Une on a fait déjà quand même des choses. Bah y'avait personne, il y avait des pièges mais il y avait pas. Après j'ai passé le tapis rouge là. Tapis où je devais pas marcher. Bonjour Neintou. Je te fais un shoot-out. J'espère que tu vas bien. Par ici. On va aller voir de l'autre côté, essayer d'ouvrir cette porte. D'accord, on est d'accord que c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire le fait de oui, bien sûr. Vous comprendre pourquoi Durlag a craqué, parce qu'apparemment c'est plus profond que juste il a voulu faire une tour et il a surprotégé, il n'y a pas que ça. C'est sans doute de ce côté-là, hein. S'il y a le mal avec un grand M. Meilleur peignoir de Twitch. Oh, j'en ai marre des ghouls supérieurs par contre. Regardez, elle meurt vite en plus maintenant. Oh! C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à rien, ça marche vite! Ver de crypte, ah ok. Ma lame vous coupe. Ça m'a réveillé, tellement c'est dégueulasse. Ceux qui ont péri. Merci. Les gâteaux. T'es sûr que tu veux pas les garder?
Merci. Bon. Mais oui, j'ai une récompense de chaîne pour l'invoquer. J'ai entendu gâteau. Non, vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien entendu. Il n'y a pas du tout de gâteau autour de moi. Remercions Nibbler pour ce café. Genre, ça fait une semaine qu'on n'arrive pas à avoir du café. Ah, lol. Oui, bien sûr. Bon, bah, il y a des vers des cryptes. Hein. Apparemment, c'est... Ah, c'est sorti par là. Ils avaient une porte. Peut-être une chambre, hein. Ah, non. Bah, on peut fermer la porte. Non, on peut pas fermer la porte. Oh, c'est nul. Faut rester devant la porte. Vous êtes... J'en ai assez. Roland de la Tour Brosson, veuillez vous, voulez vous prendre, s'il vous plaît. Merci. Moi, je m'en vais. Du coup, là, il y a une sorte de crypte. Ah ah! Est-ce qu'on touche ça? Qui dans cette équipe toucherait n'importe quoi par terre? Je pense que c'est Jaya, hein, vu qu'elle est druide. Je pense qu'on va faire ça. Va toucher le. C'est comme si c'était fait. Truc là-haut. Non, c'est juste qu'on n'est pas doué. Oui, on a trouvé une cachette à antidote quand même, c'est beau. Hein. J'ai sauvegardé avant, je crois. Par contre, elle est blindée maintenant, alors qu'elle a rien. Ah si, elle a toutes les pierres. Oh. Oh. Et ça, il y a quelqu'un qui doit avoir des antidotes quelque part, j'étais sûr. C'est fait. En fait, on va prendre énormément plus de temps parce qu'on est surblindé. On a rempli nos poches. Ah ah! Non. Pour ceux qui ont péri! Il est pétrifié. Razad est pétrifié. Non. Bon, on a décidé à partir de maintenant, dès qu'il y a une goule, on arrête de prendre ces petites pièces. On prend juste les pièces et voilà. Ah, mais non, on va devoir toucher tous les petits trucs là. On gérera. Va toucher le petit truc qui est tombé dans la crypte. Potion de liberté. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a, ça. Qui a la potion de liberté? Attaquez-moi ce truc. Évitez de porter des trucs trop lourds pour vous. Possible. Fait de la place, tu vois. Oh là là. Je ne sais pas. Je trouve pas la potion de liberté. Peut-être qu'on l'a utilisée déjà. Hein. La potion de liberté, c'est juste pour se déplacer plus vite s'il y a des trucs qui nous embêtent. Et la potion des géants de froid, je crois qu'on vient de l'utiliser juste... oui, non, bien c'est sûr. Pas ça. Le truc qu'on a utilisé pour pouvoir se protéger. Et Moen ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est fait. J'en ai marre, on va envoyer Razad se balader. Y'a vraiment rien d'intéressant de ce côté. Hein. Oui? Ma lame vous coupera en morceaux.
va mourir là. Il y a deux personnes. Tuez-le lui là. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus mis la flamme dans leurs yeux. Attendez, je remets la flamme dans leurs yeux. On disait c'est bizarre, ils attaquent pas. Là, je comprends mieux. Bon, bah, on les attend. Hein. Oui, mais Razad, c'est toujours notre petit... Mais j'ai appris que Razad Dorn faisait partie des... Des rajouts de la Unhanced Edition? Je ne savais pas. Non, il y avait 3 sur 6. 5. Ou deux, je sais plus. C'est quoi ce bruit là? Bon, Razad. On a vu ce côté-là, ça avait l'air vachement bien. Oh mais pourquoi ils sont tous là encore? Razad qui balance des Kamehameha mais à toute balle. Mais là du coup il y a une sortie ou c'est juste qu'on peut aller mourir? Faut envoyer Imoen dans ce coin? Pour repérer des moi, trucs. Je m'en vais. Non. There is nothing. Peut-être de ce côté-là, mais on voit pas grand-chose. Tu es préparé, t'as dit. Tu as dit t'étais préparé. On peut marcher sur ça? Ah oui. Ah, mais c'est du venin! Bon, bah, écoutez, ce sera notre appel. Et du coup ils se prennent des coups aussi, et on peut pas les pousser là-bas. I understand. Intéressant. Problème. Parce qu'en plus il a une super, un super truc Razad pour pouvoir se soigner. Il a la position des mains. 1800 balles 1800 balles. Incroyable. Allez hop. La position des mains. Ah mais non mais il a pas fait dodo. Moi, je m'en vais. Ça pourrait être bien, mais on a les poches pleines. Regarde celle-ci, même si on va pas l'utiliser, c'est mieux. De toute façon, il faut qu'on revienne là parce qu'on a plus de VIX. Mes amis, il y a la flamme dans les yeux. Veuillez bien me donner de la... Qui a pas mal de vie et peut s'en foutre. Je pense que c'est bot. Ah non. Par contre, là, il y a un truc. On peut passer par ici, je pense.
Bon, on va tous se retrouver là-bas. Hein. On va donner de la vie d'abord à notre cher Azad. D'ailleurs, attends, parce qu'on va changer un truc. Parce que là, on n'est plus en mode combat avec Jaira, donc il faut qu'on change, c'est ça. On avait dit... Donc par exemple, celui-ci, on n'en a pas forcément besoin, parce que c'est juste sur le protection contre la foudre. Par contre, on avait dit que c'était lequel qui était intéressant. Vision lointaine, ça nous permet de voir à peu près ce qui se passe. Convocation d'animaux, c'était pas mal. Il y avait des trucs... une fois un peu d'attaque, en fait, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup d'attaque. Une blessure grave. Ah, c'est pas mal, hein. En vrai, ça peut remplacer notre... notre mage par... Par Imoen. C'est-à-dire d'avoir des sorts d'attaque. Oui, bien sûr. Tu fais... Shirazad, pourquoi Shirazad? Ah non, Shirazad. Faut juste marcher vite. Oui, oui, t'inquiète pas, on dort. Alors moi j'ai une question, c'est purement cosmétique le 2023 là, ou Nailin 2? Ou juste on peut se représenter chacun qu'on était vivant à ce moment-là? Par ici. Oh là là, maintenant, que se passe-t-il? Oui, moi je l'ai aussi. Je sais pas si je vais le mettre. Cet endroit, vous êtes venu, idiot que vous êtes maudit, bienvenue aux damnés, vous allez rester ici. Et oui, je garde le cadavre desséché de ce stupide de Durlag, car il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Quel genre de monstre êtes-vous? Pauvre créature, je n'ai nullement besoin de votre pitié. Cet endroit est une tombe éternelle pour les victimes de combats oubliés depuis longtemps, et vous m'offrez votre pitié? Libéré, je rirai. Maintenant, j'ai de la haine. Vous qui rentrez comme ici comme je l'avais fait, vous tomberez comme moi devant un ennemi tout aussi inconcevable. La différence est que Durlag ne sera pas là pour s'approprier la victoire. Nous avons aussi combattu le démon. Nous nous sommes battus nous aussi, la légende ne parle que de lui, et pas des morts vivants qui ont combattu à ses côtés. Aha! Vous êtes condamné à errer en mort vivant pour l'éternité, je peux vous aider. Je vais mettre un terme à votre misérable vie et soulager la souffrance de votre âme. Ennemi inconcevable, de quoi vous parlez-vous? Votre destin est terrible. Ne puis-je rien faire pour vous aider avant de partir? Quelque chose, rien du tout, vous ne pourrez rien faire. À part, vous pouvez emprunter mon nom. Vous pourrez emporter mon nom. Hors de cet endroit, vous pouvez emporter le souvenir du combat et mon nom, et je serai libéré de l'ombre de Durlag, ce démon maudit. Attaquez, vous pourrez dire, alors que nous nous battons comme des bêtes féroces, vous l'emporterez avec le souvenir de cet endroit. Ouais. Prends les mains, hein. La police tue. Je crois qu'on va gagner, hein, Grael. Donc tu ne fais que nous immobiliser, mais tu es qu'une goule supérieure augmentée. Hein. C'est tout. Hein. Alors moi je veux bien, mais le truc c'est que pour l'instant on n'a pas besoin. J'en ai assez. Bon, apparemment, il y a la tombe de Durlag dans le coin, donc t'es où? Bon, Grael, on essaiera de colporter ton nom, hein. Les morts vivants l'ont aidé dans son combat. On va savoir. Moi, je m'en vais. Là, fais dodo.
Non, 2023, c'est le Twitch récap. C'est fait. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Bonjour à Youngbell. J'espère que tu vas bien, que Kira va bien, que vous êtes bien levé, que votre journée va être belle. Patate ratatinée de fatigue. On voit que vous faites la fête le 13-12. Ah mais du coup c'est officiel, il y a une emote Kira qui bouge. Bravo Réunbel. Et maintenant où bravo pour facile. Ça, merci. Comme je suis en 300, je peux ouvrir Firefox sans prendre seconde. Ah, juste mal dormi, ok. On découvre la fin. Hein. C'est vachement bien la fin pour l'instant. Il y a des vers de soie et des boules supérieures. Par contre, ce serait bien de gagner. You know? Prendre la thune déjà. Ouais, non. Tape cette verre de soie de l'enfer. J'ai plus besoin de rien faire, ils sont trop haut niveau maintenant. Je vais te shoot-out, Ringbell. It shall be even bloodier than you hoped. Moi, je m'en vais. Plus rien à faire. On cherche la tombe de d'Urlag. Apparemment. Il y a moyen de sortir. Oui. On a décidé apparemment qu'on ferait le tour du monde. Savoir où nous sommes. Je comprends pas trop. Mais apparemment, il y a des trucs à comprendre. Genre, qu'il y a des ghouls supérieurs et que les ghouls supérieurs font partie de l'équipe de Durag, en vrai. Je crois qu'on a pas fait dodo là. Pourquoi il est aussi blessé lui? Ah, le bruit là. Pourquoi il y a ce bruit? C'est parce fait. Qu'on est lourd. Ah, faut aller là-bas. Ai-je envie? Qui a les poches vides surtout? Parce que là, c'est plus le cas. Hein. Ah, ça va être toi, Roland. Je peux toujours essayer. La thune. Allez, hop, on part. Bon, bah voilà, on a fait une grosse partie du monde. Hein. On a fait tout en bas. Tout ça là. Ah, peut-être ici. Ah oui, c'est vrai qu'on peut passer par là aussi. Après, il y a tous les petits trucs là, les petits trucs verts. Oui, bien sûr. On peut se balader pour aller vérifier qu'il y a des trucs, mais... On a vraiment envie de faire ça. Une tâche facile. On peut essayer. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Genre là. Ça, on l'a fait. Ça, on n'en a pas besoin. Celui-ci, on l'a pas fait. On peut checker. Il y a peut-être des trucs intéressants dedans. De la thune, ok. Et c'est ça, en fait. C'est ça, son coffre. Il y a vraiment de la thune partout. Salut Strega, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es reposé de hier. Ma lame vous coupera en morceaux. Une tâche facile. Incroyable, hein. Ouf, c'est pas incroyable. Là, il doit y avoir un truc, mais du coup, c'est quoi? Les flèches, je prends. Ça, je prends. Les flèches, je suis abonné aux flèches gratuites, comme ça, non identifiées. Merci, j'ai pas besoin de carreaux. L'huile de rapidité, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Vous êtes beaucoup, bonjour, hein. J'espère que ça vous plaît quand même. Hein.
Potion de force du géant de feu, on va le prendre parce qu'on a que du géant de froid. Ah. On va appeler tous les ans pour se mettre au milieu. Une tâche facile. Oui, mais bon, moi j'ai regardé une grosse partie. Hein. Je crois que le seul moment où j'ai pas pu, c'est le... Parce que c'est mes journées le plus chargées, le mercredi et mardi. Donc du coup, je suis un peu en explosion. Une tâche facile. Mais, ouais, c'était entre 14 et 18 heures. 14 et 18 heures, j'étais un peu ailleurs. I look forward to your instructions. Lune guides my hand. Ah, il a parlé anglais. I look forward to your instruction. Il a dit un truc dans ce style comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Potion du maître voleur, je prends. Ah bonjour. Attendez, on s'en va. Voilà. Je vais donner la potion tout de suite à notre maître voleuse. Et c'est incroyable, c'est vraiment ça existant, ça fait quoi? Plus 40%. C'est beau pendant 3 heures en plus. C'est beau. Et maintenant, que se passe-t-il? Tirer sur les ghouls parce que c'est les ghouls qui sont insupportables à pétrifier tout le monde. Oh non, Jaira, pas ça, pas maintenant, pas tout de suite, pas comme ça. Ouais, voilà. Et on va perdre Azad à cause de ça. C'était 13-12 heures. Oui, c'est ça, c'était bien. Le serviteur de Dame Nature... Jaira, tu lui as donné la possibilité de mourir immobilisé, donc maintenant c'est à toi de t'occuper de lui, hein. Et voilà, il est décédé. Oh là 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 là. Ce n'est pas ses coéquipiers, hein, franchement. Oui, oui, bien sûr. C'est pas que Razad, lui, il voit des... il voit des lianes au sol, il tombe déjà par terre, hein. Mais regardez, il y en a qu'une maintenant. Avant, il y en avait trois. Oh là 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 là. Ah bah si, j'en avais déjà trois. J'en ai déjà deux, plutôt. Incroyable. Une tâche facile. Sauvegardons. Sauf le quiz où j'aurais tout poutré. Alors, le quiz, j'ai trouvé que c'était dur. Il y avait des trucs qui étaient durs, quand même. Sacré performance, quand même. Ma lame vous coupera un morceau. Après, c'est vrai que il y a certaines questions. Si tu écoutais... si tu écoutes un podcast du cinéma sans... comment ça s'appelle, podcast du cinéma où il y a Arcani qui passe assez souvent. Le cinéma sans avenir, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Je crois qu'on va tous mourir. Ah oui, il y a Kali qui est déjà mort. Un podcast sans avenir, je crois que c'est ça. Oui, bien sûr. Et ouais, il y a moyen de trouver des sortes de réponses. Mais j'ai vu que t'étais arrivé déjà 5ème, hein, je crois, hein, sur la fin du quiz. C'est beau, bravo. On a un top 5, hein, dans le chat. Top 5 du quiz de Tristance. Il y avait Chouchou Mouchou juste avant toi, je crois. Ouais, il y avait un quiz, et t'étais même pas là, Rémi, mais il y avait un quiz, c'était le Falafel Quiz. C'est-à-dire, fallait dire qui était... bah, tu peux regarder, c'était chez Lentille. Ouais, t'as fait quand même, je précise, hein. T'as quand même fait un bon... Le serviteur de Dame Nature bon attend. On va essayer blessure grave, on va essayer de blesser directement la soie, là. À vos ordres. On fait, exactement. D'ailleurs, moi, je remarque, il y a eu beaucoup de... Alors non. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? On sait même pas, en plus. Je veux que tu le blesses grave. Ah non, blessure grave, c'est sur qui? C'est au pif? Je comprends pas. Tu
Tu vises quelqu'un ou... Elle vise personne. Bon, alors du coup... Harmonie défensive, s'il vous plaît. Il est déjà immobilisé, mais je peux plus... Je peux plus de ce gars. Tapez tous les gens qui sont devant Khalid, s'il vous plaît. Merci. Ouais, les noms, moi, je les connaissais pas. Hein. Beaucoup de choses ont été dites sur ces gens, que je trouve tout à fait logique. Mais les personnages, je les connaissais pas du tout, quoi. Et en fait, c'était typiquement pour donner des points à Cinéma et Politique, hein, je pense, clairement. Mais le truc, c'est que... Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. C'était un peu vénère, hein, pour les noms... Je connaissais jamais, j'ai jamais vu pour la plupart des cinéphiles là. Enfin des cinéphiles. Des gens qui se disent cinéphiles. Voilà, on a fait une partie. Ici on va leur boule de feu dans la tronche. Je trouve que tu as bien compris comment ça se passait ici en discussion, je vois. Il y a des tics de langage qui se retrouvent dans ce chat qui ne sont pas écrits par moi. Oh là là. Je suis désolé, on traîne trop ensemble. Hein. Faut arrêter maintenant. Et ouais, du coup, Reunited, c'est à partir de... Alors, combien? Faut calculer. T'enlèves 5 heures, à peu près, avant minuit. Donc, du coup, tu te retrouves avec 19 heures, ouais. Et à 19, donc ça fait 4h40 en moins de la fin du live de l'anti-stream la semaine dernière. D'hier. Je suis fatigué. Ah, il doit s'approcher maintenant. Avant, il faisait des combats à distance. Maintenant, c'est il doit s'approcher pour faire des caméras. On est d'accord que harmonie défensive, c'est en fait on fait ensemble. Logiquement, on a un petit avantage. Voilà. Avantage validé. Oui, bien sûr. J'ai remarqué que j'arrivais bien à calculer ces temps-ci. Mais c'est vraiment par moment. Et ça, c'est les jets de sauvegarde, les bruits, là. Et essayons d'éviter de faire des maths pendant Donjons et Dragons, s'il vous plaît. Oh là là, mais ce bruit là, pourquoi ça arrive? Waouh, ça a beaucoup changé, hein, un bal. Voilà, 980, c'est bien. Là, on va devenir supra riche. Hein. On va sortir, on va pouvoir s'acheter des chaussures qu'on n'a pas. Ah ah. Ah ah. Et c'est la fin. C'est fait. Bon, on est d'accord que ça prend quand même beaucoup trop de place sur cette map pour pouvoir que ce soit inintéressant ce qu'on fait. On est d'accord. Ah mais du coup on va revenir peut-être là. Et là on n'aura rien fait ici. Bah écoutez. On viendra en arrière tout à l'heure. Ah. Un endroit construit. Ça sent les pièges encore, hein. Mais bon. C'est un endroit de dodo. Ah bah c'est possible que ce soit... Bah oui, c'est un piège. C'est là où dormait Durlak, j'imagine.
C'est pour ça qu'il y a plein de petites pièces partout. Alors attendez. Détection des pièges, c'est ça? Larcin. C'est quoi déjà pour pouvoir... Je crois qu'elle avait débloqué le piège, mais non, pas du tout en fait. J'en ai assez. En plus, c'est verrouillé. Mais c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc? Crochure ratée alors qu'on a augmenté notre game. Bon, j'ai vu que de toute façon, Roland de la Tourbrousson avait augmenté de niveau. Faisons le niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on a de plus? Jet de sauvegarde, taco réduit. Ah là là, c'est beau, c'est beau. Peut-être qu'on va avoir des sorts en plus. Du coup, on sauvegarde, on fait dodo. Salut les rôlistes, bonjour Mando. Comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien ce matin. Oui, alors, cher Mando, master of du jeu que je me rappelle même plus. Du nom, moi je j'aimerais bien continuer cette partie, je t'avoue. En parlant de rôliste. Du coup. Parce que j'avais quand même un perso qui était quand même cool. Moi, je m'en oui, vais. Oui, bah, je me doute bien. Bon, on va louper ces crochetages et on va dire qu'on l'a fait. Est-ce qu'on a des trucs en plus là de sort? Non, parce que de toute façon, je suis pas un mage. Mais est-ce qu'on a des trucs qu'on peut. Chez vampire qu'on l'avait déjà deux fois. J'ai une horreur, mais on s'en fout. Et j'ai quatre charmes animales, mais ça, c'est vraiment nul. Je peux parler avec tout le monde, mais ça ne sert à rien. Les écureuils peuvent attaquer des loups, mais sinon, à part ça... Non, non, mais après, de toute façon, faut qu'on essaye de checker tout le monde, c'est compliqué. Il y en a plusieurs, en fait, sur dans ce coin. Oh, une tâche facile. Mais oui, il nous a fait une partie d'un jeu qui était sur... où tu jouais des démons. Et j'étais un mangeur de rêves. Mangeur de cauchemars. Du coup, je le faisais en scred. Il y avait personne qui me repérait, même de mon équipe. C'était très rigolo. J'étais le nettoyeur de rêves, comme on dit. Il nominait Satanis, oui, exactement. Bravo. Mère de sûreté, on va survivre. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Ça me fatigue, cette histoire. On est d'accord que... Il y a des pièges partout, j'ai poupé. Ah, mais ça, c'est le mur, là, qui s'est écrasé, non? On est d'accord que c'est le mur, là. Attendez, parce que j'ai rien vu, parce que je vois rien, mais il est nominé Santinis. Et MV, ça veut dire quoi? Alors attention, parce que ça fait un moment quand même, en vrai. C'est juste qu'on n'a pas pu continuer la partie. À cause de quoi? La fin du Covid? Enfin, la fin du Covid. La fin du confinement, slash... des restrictions que de protection de l'État. C'est comme si quoi. C'était fait. La dépression, quoi. Tu vas avoir tous les bouquins. Ah ouais! Ah oui! Mania Veritas. Alors du coup, je me rappelle plus, mais je worshipais un... C'est un fait. Dieu... Un dieu de... Un dieu sa... Un dieu... Ou non, c'est comment? Un des démons? Le serviteur de Dame Nature attend. Du rêve, du coup? Ou du cauchemar? On a besoin de quelqu'un qui traverse vite, si c'est possible. Mais là, on n'a pas vu, hein.
Donc on sait pas, hein. Là, mais logiquement, il y a un... Y a, là, ici, on meurt dû à un mur qui s'écrase. Moins rigolo que ma vie. De quoi, hein? Je crois qu'on approche du tombeau, hein, parce que c'est... Il y a que des endroits où on va mourir. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un... Moi, ça m'intéresse. Hein. Le MV. Ah, Mania Veritas, ok. Bonne question. Pour être honnête, j'avais un peu adapté les règles pour que ça passe plus simple sur le scénario et en distance. Mais j'ai perdu mes fichiers dans mon PC. Ok. Oui, non, mais c'est aussi parce que je lis. Enfin, entre guillemets, chronologiquement, du coup, j'ai du mal à. Mais ça, c'est le problème de toutes les personnes qui font un peu du stream, c'est. Du mal à recontextualiser par rapport quand on saute à la ligne, par exemple. Si vous sautez à la ligne dans l'écrit, c'est compliqué parce qu'en fait, faut re-aller chercher la discussion qui était lancée par vous. On va refaire dodo, hein, parce que je pense qu'on va envoyer quelqu'un et il va mourir. Après, c'est vrai que c'est compliqué si t'as... Ouais. Mais après, le truc, c'est que peut-être qu'on a tous nos feuilles. On n'avait pas fait un truc comme ça où on les avait mis dans le Discord. Je sais plus. Your wish? Je sais plus. Bon, vas-y, Razad, va mourir. Donc là, logiquement, je meurs ici. Coffre fort. La monnaie. Oh non, on a les poches pleines. Dane. Il nous faut Imoen. Pour ouvrir ça. Mais là, on a les poches pleines, c'est pas possible. Ça sert à rien, il y a tellement de pierres, je peux rien prendre. Celle-ci on va prendre, ça a l'air bien cher celle-ci. Mère de sûreté. Bon après si on touche au trône par contre je pense qu'on va avoir un problème. Continue, fais comme s'il n'y avait rien. C'est une petite décharge comme ça. Avec croc et... Hein, faut pas oublier qui... Quoi? Oui, c'est ça, on était au tout début. On était sur une autoroute. Non, on était arrivé chez la grand-mère. Et je m'étais fait carotte ma thune par... par un radin qui voulait pas payer sa chambre. Ou des radins, d'ailleurs, je m'en rappelle plus. Attendez. C'est une enflure, d'accord. Alors sache que apparemment Kona n'est pas accepté par Twitch. Bon, on va envoyer du coup Imoen voir si elle a des poches vides. Non. Ça, ça sert à quoi déjà? C'est des dagues de jet. On peut pas les donner à quelqu'un qui puisse lancer des dagues de jet et les avoir dans la poche surtout. Le bâton, en fait, on l'a depuis le début, mais parce qu'on est pro en bâton, mais on va peut-être pas le prendre. On va lui donner. On trouvera un meilleur bâton. De toute façon, les bâtons, ça se trouve partout, ça. Roland de la Tour Bresson, même si tu as une dague, je veux que tu restes avec la flèche. Genre anti-faf de dos. Ah, d'accord.
On en apprend tous les jours. Là, il en reste deux. Il en reste deux. Donc, si je vais là-bas, je vais ouvrir ça. Potentiellement, je peux mourir. Donc, on va sauvegarder. Par ici. Vraiment se remplir les poches. Hein. Et après, on touchera au trône pour faire genre on a fait quelque chose. Mais on sauvegardera avant parce que je soupçonne qu'on sort, en fait. De la tounasse, je prends. Tu veux dire que j'ai de la place. Alors, ça, ça a l'air cher. Tout fois 1. Tout ça pour éviter qu'on prenne l'épée courte. On va prendre l'épée courte, bien sûr. Voilà, et maintenant, on est ralenti. Sauvegardons. Touchons ce truc. Aha! Again! Voyons quelqu'un qui peut se déplacer. Bonjour. S'il n'y a pas le choix. Nous étions venus pour, mais, venus pour tuer, mais pas sans raison. Nous étions là avant tout comme les tentacules. Je connais, on avait dit que c'était Baldur's Gate 3, ça. Leur territoire souterrain était proche et la tour compromettait leur expansion. Et puis l'occasion était trop belle, les nains ne cachaient pas leur richesse. La rumeur d'or à foison se propageait. Les envahisseurs sont venus et viennent encore, mais on peut dire qu'ils ont reçu une invitation. Nous étions venus pour tuer, mais pas sans raison. Ah non, mais lui, c'est le prince. Il pose des questions, lui. Je ne choisirai pas pour maintenant. A tout de suite. On revient. Après, il a pu évoluer, hein, mais ça m'étonnerait. Ok. Nous n'avons pas été prévenus, mais cela ne nous aurait pas aidé. Nul besoin n'était de se séparer pour les temps difficiles, car les temps difficiles ne devaient jamais venir. C'est ce dont nous étions convaincus, ce que nous croyons. Le grand tueur de trolls veillait sur nous, alias Durlag. Alors, de ce que j'ai lu, c'était Faf, pas anti-Faf. Ah oui, c'est vrai que ça reste le même truc. Mon cerveau n'est pas très connecté. Ça pour éviter de dire nazi, Clem Lelu, peut-être. Hein. Ouais, c'est fort possible. Hein. Bon. C'est ce dont nous étions convaincus, ce que nous croyons. Le grand tueur de trolls veillait sur nous. Il nous protégeait quoi qu'il arrive. Nous avons rangé nos épées pour vivre la vie dont il avait toujours rêvé. Nous formions une vraie famille. Les soupçons étaient pour les étrangers. S'il pose des questions, je veux bien te filer les réponses. Alors attends, parce qu'on va prendre le temps. Les gardes et les armes pour la guerre, nous n'avons pas été prévenus, mais cela ne nous aurait pas aidé. En général, on essaye de faire au pif quand même, et tout à l'heure on a réussi. Du premier coup, donc on va essayer de voir. Nous avons fait de ce qu'on nous a demandé. Nous avons construit cet endroit pour empêcher quiconque d'y entrer. Nous avons piégé chaque centimètre de chaque marche. Nous avons fait en sorte que rentrer ici soit synonyme de mort. Nous avons tué beaucoup de monde au fil du temps, même si cela n'était pas notre volonté. Nous voulions simplement empêcher que le passé ne se répète. Bien que cette répétition soit déjà inscrite, une montagne escaladée, une rivière à franchir, nous sommes là. Donc ils viendront. Nous avons réalisé ce qu'on nous a demandé. Oui, bon, d'accord, ok. Merci pour l'historique. Voici comment cela s'est terminé. J'étais là et je les terrassais quand ils sont arrivés. Ma famille et mon clan, avec leurs faux visages, ils ont cessé de feindre et ont sorti leurs armes. Je les ai combattus jusqu'au dernier, tuant ceux qui avaient usurpé leur forme, donc les doppelgangers du premier niveau. Je les ai maudits d'avoir détruit le rêve, même s'ils n'étaient pas le véritable mal. Le véritable mal ne pouvait sauver mon peuple confronté à cette tromperie. Il se cachait dans la vie, dans cette tragédie. Le véritable mal mérite le blâme. Voilà comment cela s'est terminé. Indiquez-moi sur qui le blâme est rejeté. Le véritable mal mérite le blâme. Le véritable mal, c'est qui ne pouvait sauver mon peuple confronté à cette tromperie. Il se cachait dans la vie, dans cette tragédie. C'est Durlag. Pouvait sauver mon peuple confronté à cette tromperie. Caché dans la vie, dans cette tragédie. Les émaudits d'avoir détruit le rêve, mais n'était pas le véritable mal. Le blâme est à rejeter sur les envahisseurs qui ont attaqué sans merci. Alors ça, c'est la première réponse, hein, mais je pense pas que ce soit ça. Et sur votre peuple qui n'a pas su se défendre. Il est à rejeter sur les artisans qui construisirent cet endroit magnifique, et sur vous qui leur avez demandé de l'édifier. À vos yeux, le blâme est collectif. Ah, si en plus on doit préciser que à vos yeux, le blâme est collectif, c'est...
Ah non, là c'est la position de Durlac du coup, par rapport à la manière dont ça s'est passé. Les artisans vous ont encouragé, vous ont poussé, vous n'avez aucune responsabilité. Votre peuple a trop exigé de vous et vous n'en êtes en rien responsable. Il était impossible d'arrêter les envahisseurs et vous pensez donc que vous n'avez rien à vous reprocher. Tous les autres ont contribué à votre perte. Je pense que Durlac penserait comme ça. Faut se rappeler des histoires du Seigneur des Anneaux et de comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle c'est pas Isengrin là, comment ça s'appelle? Isildur? Non, comment il s'appelle le gars là qui brûle sur un bûcher? C'est ce genre de personnage là. Le blâme est à rejeter sur les envahisseurs, mais s'ils ont attaqué, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons. Votre peuple pourrait être accusé, mais ils vous faisaient confiance. Les artisans n'ont fait que mener à bien la tâche. À vos yeux, vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Je pense que nous, ça, c'est cette position. Je n'ai pas ri. Ce n'est pas de la faute de votre peuple, puisque les envahisseurs ne pouvaient être arrêtés. Eux-mêmes ne peuvent être accusés, puisqu'ils se battaient pour survivre. Les artisans ont seulement fait leur travail, et vous pouviez prévoir l'attaque. Vous êtes donc libre également. À vos yeux, personne ne peut être accusé. La faute revient à votre peuple pour son incapacité à combattre et aux artisans pour leur promptitude à vous encourager. Elle est vôtre puisque vous êtes à l'origine de tout. Elle ne peut être rejetée sur les envahisseurs car ils n'ont fait que ce que leur commandait leur nature. N'importe quoi. La responsabilité est à rejeter sur les envahisseurs qui ont massacré votre peuple, qui l'ont mis dans une telle situation d'impuissance. Ils ont également contribué à votre appel aux artisans. Ils sont donc indirectement responsables de l'existence de la tour. À vos yeux, ils sont le diable en personne. On va mettre celle-ci. À vos yeux, vous êtes responsable. On va mettre ça. Vous avez compris, vous allez peut-être survivre à ce à quoi je n'ai pas survécu. Ben voilà. Voilà. Le pif, toujours. Denethor, voilà, merci. Le pif, toujours. Ça fonctionne toujours. Il avait fait une extension pour jouer des Redskins et les idées au faf ont été piétinées dans son jeu, mais le jeu permet aussi de me jouer une bande de gros skins intégristes catholiques et quand tu te fates 2-3 interludes, tu sens bien que le 6 est blanc, persuadé d'avoir raison et carriériste. Bref, c'est pas... Ok, je vois. Eh bien, on a fait tout le tour de ici. Qu'est-ce qui nous reste? Pourquoi je pensais qu'on allait finir aujourd'hui? Mais en fait, j'espère que oui, hein. Il nous reste combien de temps? 20 minutes. Oh là là, c'est fini. JPP, on va envoyer quelqu'un qui court. Ah non, mais là, il faut Imoen pour ouvrir. Essayer. Oh là là, il faut Imoen pour oui, ouvrir. Oui, bien sûr. Allez, on y va tous. Oh non. Dis-moi qu'il n'y a rien ici, s'il te plaît. Oui, une bestiole. C'est fait. En plus, on est tous encombrés. Ça va prendre 15 ans. Après, c'était un peu couru d'avance. C'est ce que je disais, c'est un peu Denethor style. Merci Nelintu d'ailleurs pour la réponse. C'est un peu ça. C'est-à-dire... au dernier moment, quand il est mort, après avoir hanté les lieux pendant quelques années, il a compris que c'était de sa faute, tu vois. Mais au moment de sa mort, c'était clairement pas ça. Oui, bien sûr. Verrouillé. Alors, oui, vous êtes une vieille autoritaire omniprésente. Moi, je m'en vais. Et non. Bon, alors du coup, vu qu'on a sauvegardé, on n'a pas besoin de se déplacer, on va aller là. C'est fait. Verrouillé aussi. Les béantes sur mer terre. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. What? Ah, c'est bon, la porte est ouverte. C'est fait. Ah, c'est pour ça les potions de maître voleur, c'est si jamais on n'arrive pas à ouvrir une porte en vrai. Il y a quelque chose. Où ça? De l'autre côté? Oh non! Oh là 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 là, mais pourquoi il y a les araignées dans le sabre là? Pourquoi t'as couru toi? Ça, c'est une autre question. J'ai sauvegardé avant, je sais même plus. Oui. Ok, on va envoyer quelqu'un en éclaireur. Ouais, envoyer Roland de la Tour Bresson.
caché dans la pénombre. Une tâche facile. On va les repérer. Ça c'est un peu con par contre. Ah bah c'est bon. Ouah mais qu'est-ce qu'il a fait lui, il est bizarre. Pourquoi il a lancé une horreur là? Mais pourquoi il a fait ça? On a tiré la pire, la pire espèce. Tuer cette espèce là. Mais pourquoi on se prend des coups là? Là tu finis, je suis en train de décéder. Mais tout le monde est piégé là, c'est ça cette histoire? On peut pas faire une apposition des mains sur quelqu'un? Je crois que je vais mourir. Il me reste, genre, pas beaucoup de vie. Oh, l'araignée sale. PXP, façon de parler, hein. C'est vrai qu'elle donne beaucoup d'expérience, mais là... On va les attirer, mais alors par contre... Oui, bien sûr. Faut que je puisse m'en sortir, en fait. C'est ça le problème. C'est vraiment une sale bête, hein. C'est vraiment une très très sale bête, quand même. C'est quoi ça? Oh là 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 là! Oh, comment ça bouge mes salons? Alors attendez, c'est compliqué. C'est compliqué. Accepte pas ça. En plus, avec Jaira qui marche à deux de temps, là. Amène-les sur le pont. Mais non, mais elles vont trop vite. Moi, j'aime pas. Je préfère qu'elles bougent pas et qu'elles. J'aime pas. C'est ma hantise, vraiment, hein. Franchement, il y a un vrai problème avec ces araignées. Hein. Elles ont été trop... On va faire un truc. Je suis en train de penser à un truc. On va faire un truc. Un truc. On va enlever ça. Parce que j'ai pas l'impression que tu l'utilises. On va utiliser vision lointaine. Et je veux voir la convocation des animaux pour... Voilà, je veux la nymphe. Des créatures des bois, je veux voir ce qu'elle peut faire face à des araignées. On va faire dodo. C'est comme si c'était fait. Oui, mais bon. Hein. On va essayer déjà comme ça. Hein. Moi, je veux pas qu'elle puisse se balader autant, en fait. C'est surtout ça qui m'embête. Donc, maintenant qu'on a de quoi regarder de loin, on n'a pas besoin de se déplacer. Alors... Préparons-nous. Donc il y en a deux. Ok, il y en a pas mal. Hein. En vrai, il y en a pas mal. Je peux l'envoyer jusqu'ici ou pas? Ça c'est fait. Vous êtes une bien étrange personne. Ma lame vous coupera en morceaux. Elle est surboostée, hein. Comme des sols. Regardez-moi comment... Elle a dû se battre à 70 000 contre elle, la saleté de bestiole. Et l'Ethercap, bien sûr, c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui se passe, quoi. Allez, on continue avec notre arme magique. Donc on avait dit. Voilà, elle est sortie direct. Regardez-moi ça, elle lui a mis un coup direct. Regardez-moi, elle a tué la nymphe avant même qu'elle arrive. C'est vraiment les pires entités de ce jeu. Jaira est encombrée. Non mais oui, Jaira est encombrée. Faut que je m'arrête dans pas longtemps, donc on va juste respect. Oh!
Ah oui, c'est les éclipsantes celle-ci. Oh là là. Juste, focalisez-vous sur l'autre, s'il vous plaît. Vous faites lui la vie. Faites en sorte qu'elle n'ait pas la possibilité de faire quoi que ce soit. On continue. Encore un petit peu. Et elle décède. Voilà. Donc c'est bon. Pourquoi tu as pu rien, toi ? Oui, éclipsante astrale, c'est qu'elle traverse les astres, bien sûr. Pour le terme usité. Ce serait bien de donner de la vie, ouais, à ce gars. Bon, Dorn a un niveau, et moi je vais vous laisser. On va faire dodo. Je pensais qu'on allait finir. On va essayer de traverser la pièce, mais sinon, à part ça... ouais. Là, on va dire que c'est Phoenix, quoi. Oh, une goule supérieure. Bah, du coup, ça veut dire que c'est fini, hein. Il n'y a plus de piège, ça. Oh, non, il y a une éclipsante, quoi. Tu peux l'éclipsante. Je te laisse taper l'éclipsante. Y'a pas de problème. Taper l'éclipsante. Pas de problème. Sérieuse maintenant. Razad, sérieusement ? Je peux t'enfuir. Il est décédé. Il est décédé. Donc on en était là. On avait dit niveau supérieur. Terminé. Hop. Dodo. Bon, sauvegarder. On traverse une éclipsante de toute façon, donc, et un piège normalement. Oui, normalement c'est mardi. Là, on est quel jour en vrai ? Non, demain ! Non, demain. Je pensais pas que ça allait être aussi long la sortie, mais pourquoi ça m'étonne pas? Oui, bien sûr. Que de pièges de toute façon. Ah, ouais. Heureusement que Dorn il met des gros coups avec son araignée, son épée d'araignée là. Prends-lui sa vie. Parce que je rappelle qu'on a la tueuse d'araignée en tant qu'arme pour Dorn. Par contre là t'as plus de vie, gars. Et de l'inul, s'il vous plaît. De quoi survivre. Non, c'était bien ce que tu lui faisais. C'est bien. Je crois que j'ai interrompu son truc. Oh là là, il a plus de place, il y a plus rien. Il y a plus rien qui va. C'est quoi ça? Faut survivre. Non, c'est pas toi. Toi, tu dois lui faire un truc genre un massage du dos.
Bah j'essaye hein, mais bon, c'est compliqué. Hein, oui, traverser. Une tâche facile. Passons aux choses sérieuses maintenant. En fait, ouais, c'est ça, c'est que finir la salle, ça serait pas mal, mais le truc, c'est que... Il y a que Dorn qui arrive à traverser, on dirait. Mais attendez, il est mort ? Azad est mort ? Comment il est mort ? Comment il a perdu 56 points de vie, là ? Le poison. Elles ont un poison fort quand même, les équipes. Tâche facile. Donc là, il est empoisonné. Vous êtes une... J'en ai assez. Faut battre le poison. Ok. Non. Vite. Si, quelque chose, quelqu'un. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là, hein, s'il meurt. Ah non, c'est bon. Parce qu'il a pris cher aussi. Par contre, s'il y a les deux là, ça peut le faire. Merci Roland. Passons à la bataille finale. On va faire dodo devant... Et on va s'arrêter là, parce que... Je pensais qu'on allait faire tranquillement la salle, mais non. Comme d'habitude. Et on va faire dodo. Et du coup, il y a qui en stream. Alors... Ah. Bon bah voilà, Brie. Gagnant. Je voulais aller voir. C'est sur les groupes. Une tâche facile. De ce qu'on parlait tout à l'heure de. Enfin. On va aller là-bas. Ça vous va. Et normalement demain, oui. Alors. Normalement, si tout se passe bien. Bon, voilà. Merci d'avoir été dans le coin. Je pense qu'on va finir. Hein. Normalement, on est censé avoir fini. Il nous reste que... Bah, en fait, on a déjà fait toute la map, si je comprends bien. Sauf ici et là. Ah oui, pourquoi on n'est pas passé par là, déjà? Ah, parce que je viens de le découvrir, ça. LOL.
Bon bah voilà, je vous laisse ici, merci d'avoir été là, je vais vous faire un petit résumé du stream pour les personnes qui sont là, présentes. Clem Lelu, bravo encore pour les 3842 caractères, bravo, bravo, bravo. Sur un calcul apparemment très savant de 5763 caractères, je pense que tu as beaucoup participé. Bravo Ring Bell, tu rajoutes des caractères en plus, je sais pas si les emotes continuent, voilà. Merci d'avoir été dans le coin. C'était cool. Oui,